8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour 1,7 km dans la Garonne. Mesdames et messieurs, applaudissez ceux qui vont vaincre le fleuve. Ou pas. Allez, dans cette... Dans cette vague, Marc, combien ils vont mettre de temps? Parce qu'il va y avoir trois vagues qui vont se lancer. Celle-ci, c'est la première, donc, évidemment. Et on les a faites par niveau. Hein. On leur a demandé un petit peu ce qu'ils valaient comme temps en piscine. Parce que pour la plupart, c'est la première fois qu'ils font de l'eau libre. Donc là, Marc, c'est le créateur de cette traversée. Dans cette première vague, les premiers vont boucler le kilomètre 700 en combien de temps? Un petit peu plus de 22 minutes, entre 20 et 25 minutes en gros. Et pour les derniers? Et pour de 30 minutes. Voilà. Hein, donc, et donc par contre, vous les venez uniquement à leur retour en bateau, hein, puisque c'est pas un aller-retour. Ils vont aller jusqu'à la locale sur l'autre rive du fleuve. Et là-bas, ils sont récupérés par un bateau. Et on les ramène ici, où il leur sera remis la médaille de finisher, la médaille du gros fusion vécu le fleuve. En attendant, mais écoutez, vous pouvez aussi passer du côté de la buvette, boire un petit coup, manger un sandwich. Vous pouvez vous promener un petit peu sur les quais, aller voir le Sidon, c'est le deuxième cher, là, les magnifiques bateaux qui sont dans le cadre de cette fête de Bordeaux, fête sans fleuve. Voilà. Bravo les amis. Une centaine de bénévoles hein, sur le terrain, sur l'eau, en partie, mais sur le terrain depuis ce matin, bonheur, une cinquantaine de secouristes, 35 ou 37 je crois sur l'eau, et deux dans les antennes médicalisées